Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous te recommandons, notre Seigneur et notre Dieu, ce moment merveilleux et nous recommandons à toi Seigneur pleinement pour que toi seul tu viennes trôner, pour que toi seul tu viennes te manifester Seigneur. Nos vies sont fixées sur toi Seigneur. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci d'étendre ta main. Merci de bénir nos vies éternelles, notre Dieu, nos puissants les Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi le grand roi, Seigneur. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire, Seigneur. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Soyez bénis. Merci Seigneur. Voilà, bénis le Seigneur, nous bénissons Dieu, nous lui rendons toute la gloire. N'est-ce pas? Nous disons merci au Seigneur pour sa fidélité. Et nous voulons prier, n'est-ce pas, que son Esprit Saint. Oh, consolateur divin, fais de nous ce que tu veux. N'est-ce pas qu'entre tes mains que le Maître nous a laissé. Alléluia. Alléluia. Nos vies ont besoin de toi. Donne-nous ta portion. Remplis-nous de ton onction. Car nous sommes en position. Attendons ta réaction. Hey, hey, Moli, mon Azambé. Oh yeah, Moli, mon Papa. Yaka Molinda, malamu, tout en boule, l'ombre. Kota Kati, nanda, Kamba, Benzela, nanda. Si ça pousse à ma soumoule, ou la pousse à Yazoto. Si maman moutonna n'a pas ça n'a le lingo lingi. Pour ce qui est aussi mi moto, à bon moi ni soleil. Si ni s'en a bouta ou, n'a dit s'en a bon zambé. Mon immense n'a même ya non a bossenga n'a zambé. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, maman Colette. Bonsoir, ma soeur Marika. Maman Elisabeth, bonsoir. Bonsoir, maman Blandine. Maman Janine, bonsoir. Maman Françoise, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce soir. Maman Viviane, bonsoir, bonsoir. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Et Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix vers toi Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Consolateur divin. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Viens inonder nos vies. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Divin consolateur. Ouvre nos yeux s'il te plaît Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur. Nous élevons nos voix, nous allons dire Seigneur merci, merci Saint-Esprit de nous combler. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, c'est les mois de prière, nous le commençons. Je voulais qu'on le commence peut-être en décalé, mais bon, nous le commençons, n'est-ce pas? Donc, c'est depuis le premier, aujourd'hui c'est le 3. Normalement, le premier, hier, j'étais tellement un peu out là, je n'ai pas pu. On va commencer donc tous les soirs de 18h à 19h et puis nous gardons notre programme de veillée, n'est-ce pas, de 1h. Bénir le Seigneur, n'est-ce pas, pour sa grâce. Et nous commençons notre, comme le mois de ces, la gestion, n'est-ce pas, la restauration de la gestion. Ici, bien-aimé, c'est la gestion, n'est-ce pas, bien-aimé, de nos journées. Commandons nos journées face à la puissance de l'ennemi. Donc, c'est le thème de ce mois ici. Gérer sa journée face à la puissance de l'ennemi. Nous allons gérer nos journées. C'est-à-dire, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, tu te lèves le matin, tu vas faire des choses tout en oubliant, bien-aimé, que la nuit, n'est-ce pas, l'ennemi, lui, il se réunisse, n'est-ce pas, bien-aimé, pour bloquer les choses. Je vous montre. Élevons d'abord nos voix, bénissons Dieu. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci de bénir ce moment, merci de bénir chacune de nos vies, merci de bénir ces programmes de prière. Merci, tendre Père, de bénir tout le mois que nous venons de commencer, le mois de prière que nous commençons, c'est notre Dieu. Tous les jours, des 18h à 19h. Seigneur, merci d'être là. Tout le jour, c'est d'être avec nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci de venir chaque détail et chaque aspect de nos vies. Nos yeux sont fixés sur toi comme nous comptons sur toi, Maître du ciel et de la terre. Merci pour ta victoire dans nos vies. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci, tendre Père, de nous conduire dans ces mois de prière. Seigneur, conduis-nous dans les moindres détails. Nos yeux sont fixés sur toi pendant ces mois. Nous prions pour notre libération. Nous prions pour notre délivrance. Nous prions pour notre victoire. Nous prions pour notre stabilité sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan mental, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Seigneur, nous prions pour notre équilibre, notre stabilité. Seigneur, merci pour ta victoire dans nos vies. Bénis tendre Père, chacune de nos familles, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, nous devons savoir commander nos journées. Tu dois savoir commander ta journée. Ne pas être distrait comme ça, tu te lèves. Non, tu dois savoir commander ta journée. Tu te lèves, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu as déjà commandé ta journée.
C'est pourquoi nous avons parlé, c'est le réveil de minuit, bien aimé. Nous entrons déjà l'autre jour. Donc, pour commander la journée, bien aimé, dans le Seigneur, nous savons, bien aimé, nous faisons face à la puissance de l'ennemi. Nous sommes dans un monde, bien aimé, là où nous sommes dans un combat permanent. Ce n'est pas pour autant que, voilà, on vit dans la stupeur en disant, voilà, je combats, je vais chasser les diables. Non, non, non. Le combat, ça veut dire que c'est au niveau de notre foi. Notre vie, c'est une vie de foi. La Bible dit que résistez-lui avec une foi ferme, il s'enfuira loin de vous. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que la Bible nous dit clairement, bien-aimé, les buts de l'ennemi. L'ennemi veut nous amener à l'échec. L'ennemi veut nous amener, bien-aimé dans le Seigneur, à nous éloigner de Dieu. L'ennemi veut nous voir, bien-aimé dans le Seigneur, veut nous pousser à la rébellion, à nous rébeller vis-à-vis de Dieu. Il veut nous pousser, bien-aimé, à nous rébeller vis-à-vis de Dieu. Et la Bible est claire, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Maintenant, le monde est sous la puissance de l'ennemi. Quand tu te réveilles le matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu dis, j'ai tel programme, je ferai ceci, je ferai cela. Est-ce que sais-tu ce qui s'est passé dans le monde spirituel? Sais-tu ce qui s'est passé dans le monde physique pour que toi tu décides que le matin, je ferai ceci? Le monde entier sous la puissance du malin, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons prendre conscience de cette réalité-là, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible nous dit clairement, car 1 Jean 2,16, car tout ce qui est dans le monde, on dit que le monde entier sous la puissance du malin, non? On dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, nous nous levons le matin, bien-aimé. Il y a plein de tentations. La tentation est là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu n'as pas commandé ta journée, bien-aimé dans le Seigneur, comment tu vas faire face à la tentation? Comment feras-tu face à la tentation, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible nous dit clairement, Jésus, après avoir jeûné et prié, bien-aimé, il a été tenté par le diable. Si Jésus, bien-aimé, a été tenté, et vous et moi, bien-aimé dans le Seigneur, la tentation, elle est là, elle est permanente. C'est un monde, bien-aimé, là où la tentation, bien-aimé dans le Seigneur, est permanente. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient, tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Comment vas-tu faire? Comment allons-nous nous comporter, bien-aimé, face à cette puissance de l'ennemi qui est dans le monde? C'est pourquoi la Bible nous dit clairement dans 1 Pierre 5, le verset 8, il fait quoi, bien-aimé? Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Donc, tous les jours, quand tu te lèves, bien-aimé, tu dois être vigilant. Tu dois, bien-aimé, dans le Seigneur, ne pas être distrait. Tu dois être vigilant. Tu dois être prudent. Chaque jour. Donc, tu dois prier, bien-aimé, dans le Seigneur. La grâce, elle est là, bien-aimé, dans le Seigneur, oui. C'est vrai. La grâce, elle est là. Bien-aimé, dans le Seigneur, ça, je ne refuse pas. La grâce de Dieu est là, nous comptons sur la grâce, bien sûr. Mais n'oublions pas, bien-aimé, dans le Seigneur. N'oublions pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Malgré que la grâce est là, bien-aimé, dans le Seigneur, mais nous devons toujours, bien-aimé, être prudent. Donc nous devons être des hommes et des femmes de prière. Bien-aimé, des hommes et des femmes de prière. Ne pas être distrait, bien sûr. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais en arriver, bien-aimé, dans le Seigneur, ne vous inquiétez pas. Matthieu 10, le verset 16, nous dit quoi? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je vous envoie comme les brebis. Nous sommes au milieu de loups, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit bien, nous sommes au milieu de loups. Je vous ai dit, les combats, bien-aimé dans le Seigneur, auxquels nous sommes en train de faire face, bien-aimé, c'est un combat de bêtes sauvages. La puissance de l'ennemi, la puissance de la société s'est transformée en bête sauvage pour nous attaquer, pour nous détruire.
Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Prudents comme les serpents. Ouais, n'est-ce pas, bien-aimé de le Seigneur? La prudence est de mise. Pourquoi? Parce que l'ennemi, quand il s'élève, l'ennemi veut que nos journées soient des journées d'échec. Regardez bien. Qu'elles soient maudites par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter les Léviathans. Vous avez lu comme moi? Job est en train de maudire la nuit où il est né. Il dit que cette nuit-là, je ne la veux pas. Je n'aurais pas dû être né cette nuit-là. Mais que cette nuit soit maudite. Maudite par qui? Il dit par ceux qui maudissent les jours. Donc il y a déjà des gens qui s'élèvent, n'est-ce pas, pour maudire les journées. Il y a déjà des gens qui ensorcellent nos journées. Il y a déjà des gens qui déclarent des paroles négatives sur nos journées. Des gens qui sont dans l'occultisme, qui font des pratiques magiques, qui font des pratiques occultes, qui font des pratiques de la sorcellerie, bien-aimés, pour rendre, bien-aimés dans le Seigneur, certaines journées, bien-aimés dans le Seigneur, pour, n'est-ce pas, nous amener dans les échecs dans certaines journées. Pour nous pousser à des échecs. Pour rendre, bien-aimés, des mauvais jours, parfois, tu te réveilles, n'est-ce pas, ça n'a pas marché, tu as essayé ceci, ça n'a pas marché, tu vas là-bas, le bureau, on te ferme la porte, arrive. Mais si je ne comprends pas ces jours, bien-aimés, parfois, bien-aimés, le travail a été fait, bien-aimés, là, le travail a été fait, n'est-ce pas, par ceux qui sont dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, n'est-ce pas, ils ont maudit, n'est-ce pas, cette journée, bien-aimés, pour que cette journée vous soit défavorable. Ils ont commandé les malheurs sur la journée. Une des versions, n'est-ce pas, dans la Bible, n'est-ce pas, français courant, dit ceci. Qu'elle soit signalée comme portant malheur par tous les magiciens qui maudissent les jours et sont habiles à provoquer les grands dragons. Alléluia. Sont habiles à provoquer les grands dragons. Ouais, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Oui, Bible dit Seigneur, oui, que cette nuit-là fasse l'objet d'incantations de ceux qui maudissent les jours et savent réveiller les grands monstres marins. Et les gens qui font les incantations. Je me rappelle, on grandissait, n'est-ce pas, dans mon petit village là où je suis né. Parfois, on vous réveille le matin, vous trouvez, n'est-ce pas, bien aimé, sur le rond-point. Dans le rond-point, généralement, vous trouvez, on a jeté, n'est-ce pas, des arbres bizarres comme genre fétiche, n'est-ce pas, dans le rond. Et souvent, les parents disent, quand tu vois ça, ne passe pas sur ce chemin-là. Contourne. Prends un autre chemin. Généralement, c'était dans le rond-point. Dans le rond-point, vous voyez, n'est-ce pas, vraiment les fétiches, vous voyez, on a jeté, n'est-ce pas, des bâtons d'arbres, tout ça, et des fétiches. Et il ne faut pas sauter. Quand tu vois comme ça, il faut contourner, il ne faut pas sauter. Bienvenue dans le Seigneur. Ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, faire des sacrifices. Ceux-là qui font des incantations sur certaines journées. Commander, n'est-ce pas, des accidents. Commander les malheurs sur des journées, bien-aimés dans le Seigneur. Commander les échecs, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez me dire, mais pasteur, c'est... Oui, mais bien-aimé, c'est ça le rôle de l'ennemi. C'est ça le rôle du diable, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne nous veut jamais du bien. Je répète encore, il ne nous veut jamais du bien. Les voleurs ne viennent que pour dérober, gorille. Il va bien aimé voler ta journée. Que ta journée soit une journée d'échec. Il voudra détruire bien aimé tout ce que tu aurais pu construire cette journée. Il détruit le tout. Les voleurs ne viennent que pour dérober, gorille, détruire. Il va te voler le temps cette journée. Tu vas là-bas, tu passes beaucoup plus de temps, tu ne comprends pas. Parce que, bien-aimé, l'ennemi, n'est-ce pas, il a fait les incantations, bien-aimé. Il a commandé, n'est-ce pas, bien-aimé. Lui, il a commandé la journée pour que cette journée soit une journée d'échec. Pour que cette journée, pour les gens, soit une journée d'échec. Pour que ce soit une journée de malheur, soit une journée de trouble, une journée de confusion. Tu es confus dans tout ce que tu fais en cette journée. Tu ne comprends pas. Parce que, bien-aimé, les gens ont fait les incantations, n'est-ce pas. Les serviteurs du diable, ceux qui savent exciter les Léviathans.
Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'ils savent, bien-aimé, toucher la puissance de l'ennemi. Ceux qui savent, bien-aimé, toucher la puissance maléfique. Et vous vous réveillez le matin, bien-aimé, vous dites, voilà, je vais faire ça, 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 vous ne vous rendez pas compte. Que non, cette journée, bien-aimé, avait déjà été, n'est-ce pas, gâchée la nuit. Parce que c'est vers minuit et qu'on sort, qu'ils se réunissent, n'est-ce pas, pour ils déclarent des paroles. Ceux qui sortiront pour aller, n'est-ce pas, travailler, ça n'ira pas. Ceux qui sortiront pour aller faire ceci. En fait, dans les mondes de l'occultisme, dans les mondes de la société, ce sont là on jette les sorts. Et quand on jette les, en dehors, la parole en soi, il n'y a rien. Mais ce sont les esprits qui accompagnent ces sorts-là. Donc les esprits sont là pour te bloquer. Pour utiliser les gens, n'est-ce pas, mais mettre les gens dans les cœurs des gens, n'est-ce pas, la colère, là, tu arrives dans un bureau, n'est-ce pas, oh, je suis là, non, c'est pas ici. Et puis tu arrives quelque part, après avoir fait une heure, mais non, il faut retourner là-bas, tu dis, mais non, j'étais là-bas. Tu arrives là, oh, mais on a déjà fermé les bureaux, malheureusement. Oui, c'est ici, mais on a déjà fermé les bureaux. Oh, mais j'étais ici, non. Ah ben, oh, peut-être la personne n'a pas bien compris. Je lui ai bien donné les documents, il a regardé, il m'a dit, non, c'est pas ici. Il dit, non, mais c'est bizarre, mais c'est ici. Mais là, vous avez déjà perdu le temps. Vous rentrez, n'est-ce pas, bien-aimé? Découragez, c'est pas possible. Parfois, il y a des gens qui ont fait les incantations, bien-aimé, dans le Seigneur. Je dis, mais parfois, il y a des gens qui ont fait les incantations. Bien-aimé, dans le Seigneur, ceux qui savent maudire, n'est-ce pas, bien-aimé? Ceux qui savent maudire les jours. Ils maudissent, ils font les incantations. Bien-aimé, ils invoquent les malheurs. Ils déclarent la confusion sur des journées entières. Que ça ne marche pas, que ça ne réussisse pas, que ça ne fasse pas ceci, bien dans le Seigneur. Et toi, tu te réveilles le matin, ouais, j'ai les programmes, je ferai ceci, je ferai cela, mais tu ne sais pas qu'il y a des gens, n'est-ce pas, bien-aimés, ceux qui savent maudire les jours. Et ils les font. Écoutez-moi, bien-aimés. Ceux qui font ce travail-là, que ce soit les sorciers, et ils les font tous les jours. Nous avons les témoignages, n'est-ce pas, bien-aimés, des gens qui étaient dans la sorcellerie. Ils vous disent que tu sois malade, que tu aies la grossesse à terme, tu dois te présenter dans la réunion, n'est-ce pas, pour aller accuser. Dans la sorcellerie, bien-aimé, c'est le travail d'accusation. C'est les accusations, c'est accuser. Donc voilà, j'ai le programme de tel sortira pour aller. C'est pourquoi s'il y a des esprits qui nous surveillent. Pour savoir ce que nous faisons. Ah oui, j'ai le programme, tel va aller dans ces bureaux-là pour qu'on lui paye son argent de. Il a eu les impôts. Non, on a commis l'erreur. C'était une erreur, madame. Non, mais c'était une erreur. On avait commis une erreur. Au fait, le courrier vous a été adressé, mais ce n'était pas, vous étiez une erreur. Vous vous fâchez là-bas, vous criez, et puis bon, voilà. Et si vous priez parfois, c'est la grâce de Dieu, puis un jour, vous dites, madame, mais vous n'avez jamais été là. J'ai été là, on a vu, c'est dit, non, ce n'était pas une erreur, on s'était trompé. Parce que ces jours-là, vous étiez sortis, bien aimés dans le Seigneur, on avait maudit la journée. On avait invoqué les malheurs sur la journée. On avait déclaré des paroles négatives sur la journée. Ils les font tous les jours, bien-aimés. Ceux qui savent, n'est-ce pas? Je dis bien, ils les font tous les jours. C'est leur travail. Elles ne font que déclarer, n'est-ce pas, souhaiter des malheurs sur les journées. Dans la Bible, il dit clairement, n'est-ce pas? Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire rôde autour de vous comme le qui cherche quelqu'un à dévorer. Donc, ne pas être distrait, être vigilant. C'est aussi, bien-aimé, savoir déclarer des paroles. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Dans la prière. Dans la prière, bien-aimé. Commandons nos journées. Cessez-moi de prier ici, c'est vraiment... Commandons nos journées. Qu'elles soient maudites par ceux qui maudissent les jours, ceux qui savent. Les Léviathans, c'est quoi, bien-aimé? Les Léviathans, n'est-ce pas, bien-aimé? C'est la force de l'ennemi. C'est le crocodile. Je vous ai dit, n'est-ce pas, bien-aimé? Ça symbolise, n'est-ce pas, la puissance satanique. Parce que, bien-aimé, certaines puissances, la puissance maléfique se cache derrière, n'est-ce pas, bien-aimé? Se cache derrière. Se cache derrière les païens. C'est cette puissance, n'est-ce pas, bien-aimé? Cette puissance maléfique qui se cache derrière les païens. Qui peut utiliser un païen, bien-aimé? Tu arrives la journée, n'est-ce pas? Or, voilà, madame, je suis venu normalement
Je devais vous voir parce que je dois garer ici. Il vient, il accroche ta voiture et puis il s'en va. Oh, mais c'est pas possible. Mais on a accroché ma voiture. Mais qui était la bien-aimée? Non, voilà la bien-aimée dans le Seigneur. Il y en a quelqu'un qui a été préparé, n'est-ce pas, bien-aimée, avec lui. Derrière, il y a une puissance maléfique qui agit derrière la personne. C'est une personne. La personne est païenne. La puissance, ce sont des candidats bien-aimés dans le Seigneur. Satan, n'est-ce pas, bien-aimé, il agit par interposition. Il utilise le sang bien-aimé de cette personne. Il vient, n'est-ce pas, il griffe ta voiture, il part. Tu regardes, n'est-ce pas, tu arrives au garage. Madame, ça là, la manière dont on a arrangé l'enjoliveur, bah, il faut 1000 euros, il faut 1200. Bon, tu te réveilles le matin, plus que même ton salaire. C'est l'argent ici. Un mois de. On te vole un mois de salaire. Et tu n'as pas de choix. Parfois, tu te dis, mais si je ne le fais pas, comment est-ce que je vais aller travailler? À cause de quoi, bien dans le Seigneur? Ceux qui savent maudire les joues, ceux qui savent exciter les Léviathans. Et cette puissance de l'ennemi qui va agir derrière les gens, derrière les païens. Cette puissance de l'ennemi vient, qui agisse derrière les païens, bien aimé dans le Seigneur. Cette puissance de l'ennemi qui rend certaines journées, n'est-ce pas, défavorables à tout ce que tu fais. À tout ce que tu as, bien aimé dans le Seigneur, préparé de faire en journée. Il y a une puissance qui s'élève pour s'opposer à ça. C'est pourquoi la Bible dit, Ésaïe 27, le verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, la grande et forte épée, les Léviathans. Vous voyez, les Léviathans, serpents fouillards, les Léviathans, serpents tortueux. Et il tuera les monstres marins qui est dans la mer. Voyez-vous, n'est-ce pas, mes amis, le Seigneur? La puissance de l'ennemi est considérée comme les Léviathans, considérés comme les serpents fouillards. Les Léviathans considérés comme bien aimés, les serpents tortueux. La puissance de l'ennemi. Les Léviathans, bien aimés, ça. C'est moi, la puissance, n'est-ce pas? La puissance diabolique. Ceux qui savent exciter cette puissance en journée. Pour que cette puissance s'oppose, bien aimé, dans le Seigneur, à tes projets. S'oppose, bien aimé, Seigneur, à toutes tes entreprises. Tout ce que tu voudrais faire la journée, bien aimé. Cette puissance va s'opposer d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a des gens qui vont, n'est-ce pas, bien aimé, exciter cette puissance. C'est comme quelqu'un, bien aimé, qui va provoquer, n'est-ce pas, bien aimé, un chien méchant. Qui va provoquer, n'est-ce pas, bien aimé, un animal, n'est-ce pas, bien aimé, méchant. Les gens, quand vous voyez provoquer un tel animal, vous fuyez. Ah, attention. Faut faire attention. Ça va te mordre. Voilà. Il y a des gens qui vont exciter, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, bien-aimé, qui vont provoquer, faire des incantations pour que cette puissance, n'est-ce pas, bien-aimé, diabolique agisse derrière les gens, pour que les gens s'opposent à tout ce que nous faisons, nous avons prévu de faire en journée. Nous croyons, bien-aimé, à ces dieux-là. Il dit, l'Éternel frappera de sa dure, la grande et forte épée. Nous avons l'épée de la parole. C'est pourquoi toi, tu es levé dans la parole. Lisez l'épée, bien-aimé, c'est la parole. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé, dans la parole de Dieu, bien-aimé. Tu dois t'élever, bien-aimé, dans le Seigneur. Lève-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Lève-nous, bien-aimé, dans la prière. Et dans la prière, bien-aimé, que nous devons nous lever. Pour dire, Seigneur, nous refusons d'être les victimes de toute cette situation que l'ennemi est en train de préparer, n'est-ce pas, pour nous rendre malheureux, pour s'opposer à ta volonté, Seigneur. Mais nous, là, ce n'est pas Dieu, c'est nous qui en avons la responsabilité. L'épée, bien-aimé, c'est l'épée de la parole. C'est nous qui en avons la responsabilité. Dieu n'est pas là-dedans. Il t'a donné la parole. Il nous a donné la parole. Lèvons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Avec la parole, lève-toi avec la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Déclare cette parole. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, n'y a que la parole, je vous assure. Il n'y a que la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous lever, bien-aimé, par la puissance et l'autorité de la parole. Lèvons-nous, bien-aimé dans le Seigneur. Lèvons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne soyons pas distraits. Nous serons perdants si nous sommes distraits, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne dormons pas.
Lève-nous bénis dans la prière. La parole. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole est une épée, bien-aimée dans le Seigneur. Cette parole, elle est vivante et efficace. Oui, n'est-ce pas? Elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole, bien-aimée dans le Seigneur. Lèvons-nous avec la parole. Commandons nos journées. Dis, je proclame que cette journée sera bénie. Alors, tu dois le faire tous les jours. Ça doit être ton habitude. Bénis ta journée. Bénis la journée de ton frère, de ta soeur, de ta famille, de tes enfants. Bénis leur journée. Je proclame si cette journée est bénie pour mon fils, pour mon fils. La journée, si elle est bénie pour ma fille. Déclare que la journée est bénie. Détruis toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur cette journée. Les incantations qui ont été faites sur cette journée-là. Détruis-les. Déclare-les sans effet, ni ne l'ont avenu. Parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tu dois témoigner, bien-aimé, dans le Seigneur. De la parole, ce qu'elle est, du sang de Jésus, bien-aimé, ce qu'elle peut faire dans ta vie, ce qu'elle peut faire dans ta femme, ce qu'elle peut faire en cette journée, bien-aimé. Tu dois le déclarer. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous en avons la responsabilité, bien-aimé, dans le Seigneur. Demandez à Dieu de s'élever, bien-aimé. Le psaume 89, le verset 10, 11. Tu écraseras l'Égypte comme un cadavre. Tu disperseras tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartient le deux, les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde. Et tout ce qui appartient dans ce monde. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la responsabilité, n'est-ce pas, bien-aimé, de dire, Seigneur, lève-toi. Tu as le Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la dévotion. Soyez remplis au contraire de l'Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que tu vas prier pour détruire, pour dire à Dieu, Seigneur, réveille-toi. Ésaïe 50, le verset 9. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force. Bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça les monstres? L'Égypte symbolise la puissance de l'ennemi. La puissance qui s'oppose, bien, à la volonté de Dieu pour son peuple. C'est ça l'Égypte, n'est-ce pas? C'est opposé à la sortie, n'est-ce pas, des enfants d'Égypte, à la sortie pour qu'ils aillent, n'est-ce pas, dans leur destinée. Donc la puissance de l'ennemi s'oppose, bien, que nous puissions rentrer dans notre destinée en cette journée-là. Si c'est, bien, mais là, il y a toujours un jour où tu as prévu, n'est-ce pas, que tu entres, n'est-ce pas, dans ta destinée. Ça ne sera pas le mardi, le mercredi, non, ça sera, c'est un jour, bien, dans le Seigneur, à une certaine heure de la journée. Mais ces jours-là, bien, l'ennemi cherche à déclarer les paroles négatives. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te réveiller. Pour dire, Seigneur, tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tout ça, ça symbolise, n'est-ce pas, la puissance de l'ennemi. L'Égypte, bien-aimé, qui a été détruite. L'Égypte, n'est-ce pas, cette puissance, n'est-ce pas, satanée qui s'oppose, n'est-ce pas, bien-aimé, à la volonté de Dieu pour son peuple. Nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, nous proclamons ton règne. Seigneur, nous invoquons ta présence. Pendant ces mois de prière, Seigneur, nous invoquons ta présence. Seigneur, ta présence, Seigneur. Que ton règne, Seigneur, vienne durant ce mois de prière. Que ton règne vienne. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous n'avons pas, n'est-ce pas, nous devons de toutes les âmes de Dieu de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il a déjà maudit là, la nuit. Toi, tu es là en train de dormir, je me réveille le jour-là, je vais aller faire ceci. Mais là, ton dossier, bien-aimé, ça a déjà été trafiqué dans les mondes occultes. On t'a accusé, n'est-ce pas, et on t'a condamné. On a déclaré des paroles, bien-aimé, sur ta journée, sur ton dossier, sur ta famille, bien-aimé, dans le Seigneur. Et toi, distrait, tu dors. Non, bien-aimé, dans le Seigneur, tu dois être conscient. Il travaille, toi aussi, tu dois, bien-aimé, travailler. La prière. Que Dieu s'élève. Tu dois dire à Seigneur, réveille-toi! Réveille-toi! Réveille-toi des forces, bras de l'Éternel, réveille-toi! Comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. Réveille-toi! N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça les monstres? Donc tu dois commander, n'est-ce pas, bien? Tu dois commander au matin.
Tu dois devancer l'aurore, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois devancer l'aurore. Apprends à devancer l'aurore, bien-aimé dans le Seigneur. Avec la louange, comme maintenant là. Seigneur, tu bénis Dieu. Voilà, bien-aimé, nous allons élever nos voix. Tu vois, nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, mais nous allons rendre grâce aussi. Nous allons bénir Dieu. Nous allons louer Dieu. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, bien-aimé. Nous allons louer Dieu pour ce qu'il est, bien-aimé. Pendant, n'est-ce pas, bien-aimé, Simon, nous allons louer Dieu. Élevons les voix, n'est-ce pas, bénissons Dieu, louons Dieu pour ce qu'il est pour nous, bien-aimés. Louons-le pour ce moment de prière, bénissons-le pour ce moment de prière. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour tout ce que tu as planifié pour nous pour ce moment de prière. Élevons nos voix, bien-aimés. Commençons, n'est-ce pas, à louer Dieu. Alléluia, éternel, notre Dieu. Nous élevons nos voix vers toi. Nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. Toi qui es notre Seigneur et notre Roi, nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire, éternel, notre Dieu, merci, merci pour ta grâce, merci grand roi de l'univers, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, au nom puissant de Jésus, nous élevons la grandeur de ton Saint-Nom, maître du ciel et de la terre, tu es digne d'être loué, d'être célébré, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, merci grand roi de l'univers, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta bonté, merci Seigneur pour ta bienveillance, nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci, que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur le trône éternel, reviennent à toi qui es assis sur le trône de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire, notre Seigneur, notre Dieu, nous te louons Seigneur, nous te glorifions Seigneur, nous te magnifions Seigneur, nous t'adorons Seigneur, nous te célébrons Seigneur, merci notre Seigneur et notre Dieu, merci puissant de Jacob, merci toi qui es assis sur le trône éternel, merci toi qui est assis sur le trône de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, le grand roi, maître du ciel et de la terre, à toi qui es assis sur le trône de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Au nom de Jésus, mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme te bénit. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je viens proclamer ton règne. Je viens proclamer ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, merci de ta présence. Que ta présence soit réelle et manifeste dans nos vies. Alléluia, pendant, c'est comme tous les jours. La Bible dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Vous voyez l'esprit, ce qu'il dit. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi tu dois commander au matin. Tu dois commander au matin, c'est que Dieu soit, bien-aimé, constant, n'est-ce pas, sous tes yeux. Tu dois commander au matin par la présence de Dieu. Commander tes journées, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, ta présence, Seigneur, c'est que je veux, Seigneur, manifeste ta présence dans ma vie tous les jours, Seigneur. Je veux ta présence, Seigneur. Que ta présence soit réelle tous les jours de ma vie. Seigneur, je veux ta présence. Élevons-nous, bien-aimés. Élevons-nous. Comment ça dit, Seigneur? Je veux ta, Seigneur, que ta présence, alléluia, manifeste ta présence. Que ton règne vienne dans ma vie, dans mon âme, dans ma famille, dans mes pensées, dans ma destinée. Que ton règne vienne dans tous les détails, tous les aspects de ma vie. Élevons-nous, bien-aimés. Comment ça, après, n'est-ce pas, bien-aimés? Alléluia, pour la présence du Seigneur, n'est-ce pas, dans nos vies. Au nom de Jésus. Tant de Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons ton éternel Dieu Tout-Puissant, que ta présence soit réelle et manifeste. Manifeste ta présence dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Nous proclamons ta victoire, maître du ciel et de la terre. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, notre Dieu, merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ.
céleste. Alléluia. Tendre Père, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis les prières, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit remplisse nos vies. Alléluia. Constamment, Saint-Esprit, remplis nos vies. Remplis nos vies de ta présence. Cher Saint-Esprit, nous te voulons de tout cœur. Viens remplir nos vies. Remplis la vie de mon frère. Remplis la vie de ma soeur. Remplis nos vies, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous, s'il te plaît, Saint-Esprit. Remplis-nous, vieux nom puissant de Jésus. Nous te voulons de tout cœur, cher Saint-Esprit. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Toi, l'esprit de victoire. Toi, l'esprit de grâce et de faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. Alléluia. Éternel, notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Bien-aimé, nous allons prier, n'est-ce pas, bien de l'océan. Tu vas prier pour l'océan, notre Dieu. Alléluia. J'ai détruit, n'est-ce pas? J'ai détruit toutes les paroles. Alléluia. J'ai brisé toutes les paroles négatives qui ont été déclarées sur la journée, qui ont été déclarées contre ma journée. Je les déclare sans effet nul et non avenu. Je proclame que cette journée, n'est-ce pas, elle est bénie. La journée du 3 juin, elle est bénie. J'ai détruit toutes les paroles négatives qui ont été déclarées sur la journée. J'ai détruit, bien aimé. Tu vas révoquer les incantations. Tu vas briser les paroles de malédiction, les paroles négatives. Bien aimé, tu vas briser les incantations, les envoûtements qui ont été déclarés, bien aimé, sur la journée, n'est-ce pas? Alléluia, sur ta vie, sur ta famille. Tu vas les déclarer sans effet au nom de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prends le Seigneur, tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous nous lèvons contre les paroles négatives, les paroles, c'est notre Dieu, d'envoûtement, les incantations qui ont été déclarées sur la journée. Alléluia, d'aujourd'hui, nous les déclarons sans effet, nul et non avenu, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce. Nous brisons toutes les paroles d'incantation. Nous brisons toutes les paroles de malédiction. Nous les déclarons sans effet, nous les non-avenus. Nous brisons les malédictions. Nous détruisons les malédictions. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous proclamons ta victoire au nom de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Nous nous dressons contre ce notre de puissance de l'envoûtement. Nous proclamons que Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Que ton règne vienne dans nos vies et dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible. Seigneur, merci pour la vie des dieux Zoé. Merci pour la vie des dieux Zoé. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les grands rois. Reviennent à toi qui es assis sur le trône éternel. Tendre Père, nous déclarons sans effet, nous les non-avenus, toutes les paroles prononcées contre la journée d'aujourd'hui. Tantôt, Père, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas t'élever l'espoir contre la puissance de l'ennemi. Tu vas briser toute la puissance de l'espoir. Tu vas briser la puissance de la sorcellerie. Tu vas briser la puissance de l'occultisme. Tu vas, bien-aimé, lier les esprits. Alléluia. Libérer, n'est-ce pas, bien-aimé, pour rendre, n'est-ce pas, bien-aimé, tes journées, n'est-ce pas, pour rendre, n'est-ce pas, ta journée, n'est-ce pas, mauvaise, n'est-ce pas, pour s'opposer à ta journée. Tu vas lier ces esprits. Tu vas briser la puissance de l'occultisme. Tu vas briser la puissance de la sorcellerie. La toute puissance de l'ennemi qui se dresse contre ta vie. Et tu vas briser la puissance de l'ennemi. Tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions. Bien-aimé, tu vas m'écraser la tête du Léviathan. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Proclamons trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous venons proclamer ta victoire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire. Au nom de Jésus, nous nous lèvons contre le principauté et les autorités. Au nom puissant de Jésus Christ, je marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Au nom puissant de Jésus Christ, nous marchons sur les serpents. Nous marchons sur les serpents. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, notre Dieu, merci pour ta victoire. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Je viens marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je proclame que je suis plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur, éternel, notre Dieu. Je marche, c'est notre Dieu, sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je proclame que nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, que toute la puissance de l'ennemi qui a été libérée sur la journée d'aujourd'hui, soit écrasé, soit neutralisé. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'écrase toute la puissance de l'ennemi qui se dresse, notre Dieu, contre la vie de mon frère, la vie de ma soeur en cette journée. Tendre Père, je les déclare, je la neutralise au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, tendre Père, merci.
Alléluia. C'est notre Dieu. Merci pour ta victoire. Alléluia. Quel honneur, la gloire, la majesté. Reviens à toi, le roi éternel. Reviens à toi, l'éternel et Dieu tout-puissant. Oh, merci, notre Seigneur et notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui vis d'âge en éternité en éternité. Dieu Tout-Puissant, merci. Seigneur, nous proclamons ta victoire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Seigneur, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, dire, Seigneur, nous bénissons notre journée, n'est-ce pas? Que le projet de Dieu s'accomplisse, bien-aimé, en cette journée-là. Nous allons prier pour que, bien-aimé, Dieu accomplisse sa volonté en cette journée. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Que Dieu accomplisse sa volonté. Nous refusons, n'est-ce pas, que la volonté, n'est-ce pas, de l'homme s'accomplisse, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse en cette journée. Alléluia. Dans nos familles, bien-aimé dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous allons, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons proclamer, n'est-ce pas? Nous allons proclamer la parole de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons proclamer la parole dans Jérémie 29, n'est-ce pas? Le verset 11, il est dit. Proclamons ensemble, n'est-ce pas? Jérémie 29, le verset 11. Alléluia. Jérémie 29, le verset 11. Proclamons ensemble, bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie 29, le verset 11. Ensemble, nous disons, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Bien-aimé, tu vas prier, n'est-ce pas, Seigneur, que ton programme s'accomplisse, n'est-ce pas, dans ma vie, dans ma famille. Tout ce mois, n'est-ce pas, tous les jours de ce mois de juin, les mois de prière ici, que ton programme s'accomplisse, notre Dieu. Alléluia. Que ton plan s'accomplisse dans ma vie, dans ma famille. Seigneur, accomplis, n'est-ce pas, ton programme, ton plan dans ma vie. Tous les jours de ma vie, n'est-ce pas, en ce mois de juin, ce mois de prière, que ton programme s'accomplisse au nom de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas, comment ça prend pour l'accomplissement des projets. Tendre, Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci que ton plan s'accomplisse dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je prie pour l'accomplissement de ton projet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Bien-aimé, commence à bénir, n'est-ce pas, bien-aimé? Commence à déclarer, n'est-ce pas? Commence à bénir la journée. Commence à bénir, n'est-ce pas, ta vie, ta famille. Tendre Père, nous déclarons nos puissants de Jésus. Nous avons la victoire sur la journée. Notre journée est bénie. Au nom puissant de Jésus, la journée est bénie. Tendre Père, nos vies sont bénies. Nos familles sont bénies. Nous déclarons, c'est notre Dieu, que les échecs sont neutralisés. Il n'y a point d'échec. Les échecs sont annulés. Les échecs sont anéantis. Les malheurs sont brisés. Les malédictions sont brisées. Nous proclamons que la bénédiction, c'est notre Dieu. Alléluia. Les bonheurs et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Que les bonheurs et la grâce nous accompagnent. Que les bonheurs et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, merci de nous faire accompagner par ton bonheur, par ta grâce, tous les jours de notre vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous proclamons que la journée est bénie. Nous proclamons que nos vies sont bénies. Nous proclamons que nos familles sont bénies. Tendre Père, nous proclamons la bénédiction de Dieu dans nos familles, dans nos projets. Éternel notre Dieu, nous proclamons la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Nous proclamons la victoire, c'est notre sur nos journées. Nous proclamons ta victoire sur nos journées. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Ta victoire sur la journée de mon frère, la journée de ma soeur, ta victoire sur les journées de nos enfants, ta victoire sur tous nos projets, ta victoire éternelle, notre Dieu. Nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Que l'honneur, la gloire, la majesté te revienne au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant prier pour terminer. N'est-ce pas? Le point, c'est commandons nos journées face à la puissance de l'ennemi. C'est ça, c'est le sujet de ces mois de prière jusqu'au le 30 juin. Commandons nos journées face à la puissance de l'ennemi. Là, déjà, nous sommes en journée, n'est-ce pas? Le 3 juin, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés? Que Dieu s'élève. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, lève-toi, Seigneur. Tous les jours de ma vie, Seigneur, que tu t'élèves face à la puissance de l'ennemi, Seigneur, lève-toi. Face aux accusations, Seigneur, lève-toi pour me justifier. Alléluia. Que Dieu s'élève. Tu vas réveiller Dieu. Tu vas dire, Seigneur, lève-toi. On l'a vu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il a dit, réveille-toi, réveille-toi. On l'a vu dans Ésaïe 51. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi des forces, bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens jours.
N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça les monstres? Bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu s'élève. Que chaque jour, n'est-ce pas, bien, en chaque journée, n'est-ce pas, de notre vie, que Dieu s'élève. Et que la puissance de l'ennemi, bien-aimé, soit écrasée. Alléluia. Soit neutralisée. Alléluia. Élève la voix, n'est-ce pas, bien-aimé. Commence à prier, n'est-ce pas, Seigneur, que Dieu s'élève, n'est-ce pas. Prie, n'est-ce pas, que Dieu s'élève, que Dieu te délivre, bien-aimé, le Seigneur, de la puissance de l'ennemi. Et que la puissance de l'ennemi soit neutralisée, soit écrasée. La puissance de la sorcellerie, la puissance de l'occultisme, la puissance de la magie. Bien-aimé, que la puissance de l'ennemi soit neutralisée, soit écrasée. Alléluia. Par la présence de Dieu. Élève la voix, n'est-ce pas, que Dieu s'élève. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons ton éternel, notre Dieu. Que tu t'élèves. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi dans nos vies. Lève-toi dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, tendre Père, dans nos journées. Que tu t'élèves, éternel, notre Dieu. Et que la puissance de l'ennemi soit neutralisée, soit écrasée. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi. Lève-toi, grand roi de l'univers. Lève-toi dans nos journées. Dans la journée d'aujourd'hui, le 3 juin 2021. Lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Lève-toi, grand roi de l'univers. Lève-toi, puissant de Jacob. Lève-toi, maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons. Nous t'élèvons, éternel notre Dieu. Que tu t'élèves dans les moindres détails de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi, maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci de t'élever, éternel notre Dieu. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons, tendre Père. Lève-toi en ces mois de prière. Lève-toi, éternel notre Dieu, en ces mois de prière. Que tu t'élèves, éternel Dieu Tout-Puissant, en ces mois de prière. Que tu t'élèves au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de t'élever en ces mois de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu t'élèves, éternel Dieu Tout-Puissant. Lève-toi. Lève-toi, Seigneur de gloire. Lève-toi, maître du ciel et de la terre. Lève-toi, puissant de Jacob. En ces mois de prière, que tu t'élèves dans nos familles, dans nos vies, dans nos projets, que tu t'élèves et que la puissance de l'ennemi se taise, que la puissance de l'ennemi soit écrasée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus Christ, éternel notre Dieu, nous proclamons, alléluia, que nos journées seront des journées bénies, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous commandons, tendre Père, nous commandons, tendre Père, nos journées, que nos journées soient des journées bénies, au nom puissant de Jésus. Que la puissance de l'ennemi, bien-aimé, soit détruite. Alléluia, maître du ciel et la terre. Que la puissance de l'ennemi soit neutralisée. Alléluia. Que toutes les malédictions prononcées dans le monde occulte contre nos journées, alléluia, soient anéanties. Au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimé, prions pour ceux qui sont malades. Déversons la grâce de Dieu sur leur vie, n'est-ce pas? Élevons, prions pour Papa Didier, Maman Fifi et Maman Albertina. Élevons nos voix, n'est-ce pas, prions pour. Alléluia. Élevons nos voix, tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire dans la vie de nos bien-aimés qui sont malades. Nous leur recommandons ta grâce, que tu t'élèves, que tu te révèles, que tu aies tant de grâce sur leur vie et sur toute leur famille, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci grand roi de l'univers pour ta victoire. Au nom de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel, notre Dieu, et nous te bénissons. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, les grands rois. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Touche, tendre Père, Maman Fifi dans son corps, Maman Albertine, Papa Didier, c'est notre, nous prions que tu les touches au nom de Jésus. Lève-nous bien dans le Seigneur. Alléluia. Prions, n'est-ce pas, pour terminer ces temps en neutralisant, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, toute contre-attaque de l'ennemi dans nos vies, n'est-ce pas, contre nos journées. Élevons nos voix, prions. C'est tendre Père, nous élevons nos voix, nous brisons toute forme de contre-attaque, c'est notre Dieu, contre ces programmes de prière. Que toute contre-attaque de l'ennemi soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Nous proclamons, tendre Père, la victoire. Nous nous levons contre les attaques, n'est-ce pas, des bêtes sauvages. Nous les brisons, nous les neutralisons au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Rends grâce au Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, merci. Remercie le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, merci Saint-Esprit de commander. Alléluia, les journées avec moi. Saint-Esprit, merci de commander mes journées avec moi. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Nous te bénissons, toi, l'Esprit des grâces et des faveurs. Nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, merci de commander les journées avec moi, au puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons, toi, l'Esprit des victoires, l'Esprit des grâces et des faveurs. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié, soyez bénis. Amen, 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 amen. Alléluia. Bienvenue dans le ciel, soyez bénis. En tout cas, que mon Dieu bénisse, nous bénissons ce mois de prière, bien-aimés, que nous venons de commencer, n'est-ce pas, jusqu'à la fin du mois.
Donc, 18h30, on est là. Donc, 18h jusqu'à 19h, 18h30 par moment, parce que je fais un travail parfois qui me perturbe par moment. Mais 18h, 18h30, bien aimé, nous sommes là. C'est pour une heure. Et nous prions. Et puis, on se revoit, bien aimé, dans le Seigneur le soir ici. Je vous demande, bien aimé, d'être présent, s'il vous plaît. Vous avez un peu d'énergie, de force, s'il vous plaît. Faites un effort. Vivez comme les serpents. Ceux qui maudissent les jours, bien aimé, dans le Seigneur. Ceux qui maudissent les jours, bien aimé, ils les font même s'ils sont malades. Les sorciers, même s'il est malade, il doit aller dans leur réunion là. Il doit être là pour amener, n'est-ce pas, son rapport. Pour accuser les gens. Et c'est souvent de ces accusations-là qu'ils vont prononcer maintenant des malédictions. Qui vont jeter les sorts. Qui vont maudire les journées, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, même si tu ne sais pas, sois là, prie. Sois là, bien-aimé, même si tu... Sois là. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît, Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas? Nos journées ne seront pas maudites. Nous allons les déclarer, elles sont bénies. Nous déclarons, bien aimé, que nos journées sont bénies. Notre mois de prière, c'est béni au nom de Jésus. Nos familles sont bénies. Nos enfants sont bénis, bien aimé dans le Seigneur. Nos vies sont bénies. Nos projets sont bénis. Les plans de Dieu, les promesses sont bénies au nom puissant de Jésus. Nous les déclarons, bien aimé dans le Seigneur. Je les déclare dans votre vie que vos projets sont bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien aimé. Pendant ces mois ici, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Courage. On est ensemble. Hein? On est ensemble. Je vous aime beaucoup, bien-aimés. Non, non, je suis enthousiasmé, n'est-ce pas, bien-aimés, par ces mois de prière. Dieu va bouger les choses. Donc, on le passe de manière tout à fait aussi simple que ça. Ben, on va voir d'ici quelques jours comment le Seigneur va nous conduire. Alléluia. Ouais, que vos projets soient bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout ce que l'ennemi a déclaré de négatif dans ta famille, dans ta vie, soit maintenant positif au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Amen. Soyez bénis. À bientôt.